D'une cabane, je te laisse faire Antoine, tu connais bien. Vas-y Antoine, fais une démonstration. On a créé un jardin, on a fait la porte avec un manuel, je sais pas comment ça comme ça. Les rideaux ils marchent par le même système. Donc attends, il suffit de tirer comme ça. À l'intérieur on a fait un atelier, un hall avec. Tu peux rentrer. Oui. Avec des bancs, tout ça. On a des stocks de ficelles pour continuer à construire. Très 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 bon. Chatin. C'est juste bon. We'll be right back.
Yeah!
gens. Alors, oh purée, 20, ah non, 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 je sais pas en fait, je crois que c'est 14-25. Non, mais le si c'est 14-25, je suis certain. Non, c'est 14-25. Non, 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 bah je vais revoir, ouais. J'arrive. Vas-y. Tout a été saccagé, mais on a réussi à récupérer quelques ingrédients et on vous a préparé ce magnifique buffet. Je vais vous installer. Le thème est la fin. Oh, j'ai très faim! Proposons un délice d'avocat, bien sûr composé d'avocat, suivi de basilic, de concombre, de melon et de mozzarella. Je vous laisse occuler l'observation. C'est un avocat noirci. Non, non, mais c'est un petit pouce. 2 sur 10. Où est la place avec le petit coussin et le... Il n'y en a pas. D'accord. Vous n'avez pas connu cette période de Covid ? Nous vous avons reconstitué une table dans un restaurant. Donc déjà, vous pouvez manger que 5 par 5. Parce qu'on ne peut pas manger à plus. Sinon, vous serez à moins d'un mètre de distance les uns les autres. Si vous n'avez plus des règles, elles sont là. Si vous n'êtes pas lavé les mains, je vous en prie, je vous invite à y aller. Et ensuite, gel obligatoire. Il faut tuer tous les gens à l'ombre. Oh, Bédou, oh, pardon, mais c'est tout. Prisonne-toi. Tu es là, tu es là, au bûcher, fallu pas les entendre. Ah mon dieu. Bédou, je modifie ton microprocesseur. Tu ordonneras à ta faction de cyborg de suivre le plan à la lettre et de m'apporter la cryolite après le festin de demain. Bien reçu, vous aurez la cryolite comme gravée dans mes circuits et programmée dans mon cœur. Toutes ces sons ne riment à rien. On se bat pour la cryolite. On s'efforce, on se tue. On s'insulte, on crée des conflits. Comme ce qui s'est passé juste avant la catastrophe. C'est pareil, donc on s'est battu avant la catastrophe. Et du coup, donc il y a eu la guerre des trois clans. Donc jusqu'à ce qui est le clan Shinigami qui gagne. Et qui continue du coup d'exploiter la cryolite encore jusqu'à une autre catastrophe. Et là donc on est reparti de zéro. Au début du camp, on n'avait plus rien. Nous sommes allés chercher de la cryolite, on a commencé à l'extraire et la boucle se refait. Alors en fait, ce que je vous ai expliqué depuis le début du camp, c'est que je travaillais sur la méthode en fait de voyager dans le temps. Et j'ai fini ma thèse sur l'écoulement du temps. Ce que je veux faire, moi, c'est un meilleur polluant. C'est de remonter dans le temps. Pas nous, donc on ne peut pas. Et mes connaissances sur l'écoulement du temps ne sont pas encore assez poussées pour qu'on puisse voyager. C'est scientifiquement impossible. Néanmoins, donc je peux envoyer cette capsule temporelle. Donc à une date bien avant la catastrophe. Et on va réfléchir ensemble à des règles, à des dessins, à des avertissements, à des messages que l'on pourra transmettre à l'époque. À ce 23 juillet 2020.
Bon, moi je suis d'accord. Est-ce que vous êtes prêts à manger pour la trêve temporelle? Oui. Est-ce que vous êtes prêts à envoyer un demi-bord? Oui. C'est pas pour ça, c'est moi qui ai fait. La paroi là. Et dedans? À toutes. Ouais. C'est bon. Ah ouais, il faut la enterrer. On la terre. Bah non, du coup, aidez-moi, on la terre. On la recouvre, Tenez, de la fougère. Comment on recouvre ce qu'on a écrit? Okay. Bon, et maintenant, on l'enlève pour voir si ça s'est téléporté. De quoi le temps? Donc, la rampe est prête. Et donc, elle partira à la prochaine éclipse. Au prochain trou de verre qui se formera dans notre galaxie. Covid, tête bêche, Covid, tête bêche, Covid, tête bêche, tête bêche. Tente, tente, tente rangée. Ah, c'est une tente rangée. Tente, tente, tente rangée. On a tout balayé. On a bien rangé nos petits duvets, on a bien roulé nos petits duvets. J'ai faim à manger. Sur le siège? Et si on n'est pas siège en seconde classe? Attends, mais je suis un peu pas synchro en fait. Non, vas-y, vas-y. On prend le gilet gonflable qui est sur le siège, on l'enfile comme ceci. On tire sur la languette. Et s'il y a un problème, ben, on gonfle. En cas de panne d'oxygène, on prend le truc qui va tomber, un masque. En cas de déchirure. On se le met, puis après on le met à son enfant qui est à côté. En cas de Covid-19, veuillez mettre un masque comme ceci. Sinon, vous risquez de mourir. Bon décollage à tous. Alors, je me présente, je suis votre pilote pour ce vol. Je m'appelle Rogette. Moi, je suis. Du coup, qui conduit l'avion? Mila, c'est moi le pilote. Mais là, il n'y a personne. Moi, je suis Mila, votre hôtesse. Moi, je m'appelle Mila. Je serai votre hôtesse pendant ce long voyage qui vous attend. J'espère que nous passerons un bon moment tous ensemble.
Comme au matin, il t'en fait pas, la vie est belle, oh, comme un vol, le jour nouvel, qui s'en va et qui revient, au printemps, au matin, comme au matin, il t'en fait pas, la vie est belle, comme un vol, le dirondelle. Pour vous approprier cette plaine, qui sera votre plaine jeu, il va falloir me battre, moi le ninja, au jeu du ninja. Sans moi, oui, j'ai mis du parfum. Je sens parmi vous quelqu'un ayant un don. Moi j'ai un don. Savez-vous quel don est-ce? C'est le don de l'hypnotiseur. Ah ouais, l'hypnotiseur qui se trouve parmi vous et que vous allez devoir désigner. 10 personnes. Est une personne capable d'endormir son prochain. Or, moi, j'ai ce don. Je suis capable, en un claquement de doigts, de vous faire tous tomber de sommeil. Ouais. Mais je sens parmi vous que quelqu'un a aussi ce don. Mais je suis pas sûre de qui. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez tous ensemble désigner qui a ce don. Moi, je vais aller regarder ailleurs. Et puis après, cet hypnotiseur va endormir ses congénères jusqu'à ce que je le trouve. Ah, parce que j'aimerais bien trouver un ami. Ah oui, c'est le killer. C'est comme le clin d'œil. C'est le killer. Je suis si fatiguée et je me sens seule quand je dors. J'aimerais trouver quelqu'un ayant le même don que moi pour s'endormir avec moi. Oh. Mais c'est le killer. On dort dans les mis, hein, bien sûr, avec la même couette. Mais on verra. Et par contre, je prends des habits. Vous mettez bien au cercle pour pouvoir tous voir le killer qu'on va désigner. Allez, mettez-vous d'accord, je reviens. Ça sert à rien de lever le doigt, c'est moi qui désigne.
dans notre royaume. Oui, nous avons vu ce matin ces espèces de tentes arriver et nous étions tous un peu perdus. Mais après, nous nous sommes dit, mais de nouveaux amis arrivent. Faisons la fête. Et voilà, nous vous avons réveillés. Ouais! Oh, c'est sympa, j'étais en train de faire un. Comment vous vous appelez? Vous vous présentez à votre fête? Ah, mais oui, nous avons oublié les présentations. Oui! Évidemment! Présentez-vous! Présentons-nous! Eh bien, moi, je suis Kamel. Je suis Archival. Je suis Kenza. Jenan. Moi, c'est Alia. Et moi, Mokhtar. Moi, c'est Mokhtar. Attends, ça va être dur! Mais non, il y a des gens. Kamel! Archibald, comment vous êtes? Archibald, de Bouffé de Lyon, ça n'a pas un rabat. Genza. Ah, Genza. L'endroit vers lequel tu vas. La ficelle. Ok. Et c'est tout. Pris du chameau. Mais il est sympa ton sable alors à sentir comme ça. Ouais, odeur de quelque chose qui doit avoir un goût assez sucré. Un chocolat.
Moi j'ai trouvé. Tu as trouvé? Est-ce que la cannelle. Et oui, c'était bien de la cannelle. J'en étais sûr. Bravo. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle, oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle? Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Okay.
Passa lisa, senhoria, via, via.